Coucou mes biches, on est vendredi, je n'ai pas vlogué hier, je voulais faire une semaine entière et je n'y suis pas arrivée. Hier c'était Thanksgiving donc le Crelais avait congé et on en a profité pour faire plusieurs choses dans la maison et ensuite on est allé se promener, on est allé à l'Apple Store de la 5ème avenue. Si vous êtes déjà venu à New York, vous savez que c'est un enfer. Tout simplement, en plus, jour de Thanksgiving, c'est un enfer, c'est tout, il n'y a pas d'autre mot. C'est un magasin assez grand quand même, mais rempli de gens en permanence, et surtout à la veille du Black Friday. Donc, horreur, enfer et damnation. Mais enfin, on avait envie d'aller voir, étant donné qu'on doit se racheter des nouveaux téléphones. On a été faire un tour là, et ensuite on est allé au cinéma, on est allé voir Les Animaux Fantastiques. Voulais voir ce film depuis que je savais qu'il allait arriver. Et trop contente, j'ai adoré de A à Z, franchement. Crowley, il a trouvé qu'il y avait parfois des petites longueurs, mais je vous avoue que j'y ai pas spécialement fait attention, mais j'ai adoré le film. En fait, j'y suis allée en ne sachant pas à quoi m'attendre. Parce que j'ai lu le livre Fantastic Beasts and Where to Find Them, mais ça c'est juste un glossaire. Des animaux fantastiques. Je ne savais pas du tout quelle allait être l'histoire et j'étais vraiment super contente. Je me suis pas fait spoiler avant, j'ai vraiment fait en sorte de ne rien regarder, ce qui est très rare pour moi parce que j'adore savoir à l'avance. Et donc je suis arrivée totalement dénuée de toute attente ou toute critique. J'ai trouvé le jeu d'acteur absolument génial. Le film était assez sombre, je trouve. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sombre. Je ne spoilerai pas et je vous demanderai, si vous voulez en parler en commentaire, de ne pas spoiler non plus. Parce que ça fait pas si longtemps que ça que le film est sorti. Enfin, en tout cas, ici, ça fait une semaine aujourd'hui. Ce film est vraiment rempli d'humour et j'ai adoré. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que vous le savez maintenant, une grande, grande fan du monde d'Harry Potter. Et j'attendais avec impatience ce film et j'ai pas été déçue. Voilà, donc si vous l'avez vu, dites-moi vous vos impressions, si vous l'avez aimé ou pas. Et ben moi j'attends les prochains avec impatience. Mais j'ai vu qu'il fallait attendre 2018 pour le prochain, donc vous allez me dire dans un mois et cinq jours on est déjà en 2017. Donc ça devrait aller, mais c'est quand même long d'attendre encore un an pour un autre film. Bon, du coup que j'ai pas vlogué hier, j'ai un jour et demi à rattraper, étant donné qu'il est 14h. Aujourd'hui, vendredi. Hier, à part tout ce que je vous ai dit, on s'est fait un petit déjeuner un peu de fête, si je peux dire. Je me suis réveillée avec une envie de pain au chocolat. Chose qu'on ne mangeait quasiment jamais en Belgique, vraiment très rarement. Mais étant donné qu'on n'a encore rien de notre cuisine, on n'a pas grand-chose dans les armoires. Une collègue à Mathieu nous a prêté genre deux assiettes, deux bols, quelques couverts. Mais on attend tout le reste qui doit arriver avec nos quelques affaires du déménagement. Tout ça pour vous dire que les placards ne sont pas encore remplis du tout. Je pense que ce week-end, on va aller vraiment faire des grosses courses. Et du coup, hier matin, j'ai fait ma princesse et j'ai demandé au Crelais s'il voulait bien aller nous chercher de café et des petites viennoiseries dans une boulangerie. Je sais pas trop comment ça peut être qualifié. Ça s'appelle Paris Baguette et ça a ouvert il y a pas très longtemps apparemment. Tout près de chez nous, vraiment à 3 minutes à pied. Et donc ils font de la baguette française, ils font du pain, pas comme ici, parce que le pain ici c'est... Et des viennoiseries qui apparemment étaient potables, selon les collègues français du Crelais. Donc il est allé, il a ramené des... je sais pas comment ça s'appelle en France, des nœuds ou des tresses, avec un peu de crème et des pépites de chocolat. Dites-moi comment vous appelez ça par chez vous. Chez moi on appelle ça des nœuds, alors que ça n'a pas la forme d'un nœud. Et des petits croissants. Et du café, et j'étais aux anges. Bon, du coup, je vous aurais raconté ma journée un peu à l'envers, mais pas très grave. C'est comme ça me vient, en fait. Je suis posée là dans mon canapé. Ouais, on a un canapé maintenant. Télé. Je vous l'ai déjà montré hier, avant-hier. Mon petit déj, franchement, moi, j'ai trouvé ça très bon. Et au soir, je termine avec le cinéma. Bonheur ultime, en fait, on est à 10 minutes à pied de Union Square. Il y a quand même pas mal de trucs, et notamment un cinéma, qui était vraiment bien. Franchement, c'était trop fort, parce que je suis allée que... deux fois au cinéma l'année passée, une fois dans Brooklyn, c'était un tout petit cinéma, on aurait dit le Stuart à la Louvière, pour celles qui connaissent. Et une autre fois près de Times Square, et là c'était plutôt la démesure, c'est-à-dire qu'on avait dû monter 10 étages en escalator. Mais à l'intérieur, la salle était, je veux dire, comme une salle à Charleroi ou à Mons, c'est-à-dire d'une taille tout à fait banale. Et ici, on est allé à Union Square, le cinéma s'appelle Regal. Ou Regal Center, un truc ainsi. Regal, je suis sûre, mais si vous tapez cinéma, Regal, Union Square, vous le trouverez. C'était moins cher qu'à Times Square, c'est quand même 16$ ou 16,50$ la place, donc prévoyez le budget, plus encore quasiment 20$ pour un pot de popcorn et de coca. Deux coca small,
Ça, ce n'est pas une légende, hein, le small ici, c'est grand. Mais soit, tout ça pour dire que la salle était vraiment très très grande, au point qu'il y avait un balcon, comme dans les théâtres. Donc il y avait la salle principale, ouais, les sièges en bas, et on avait des sièges au balcon. Et donc on s'est dit, bon, on va aller voir. Et en fait, on était super bien mis, les sièges super confortables, avec l'accoudoir qui descend, avec le... Bon, ça c'est normal, le truc pour... le petit trou pour mettre la boisson. Et alors, le son... Vraiment très 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 bon, et l'image aussi très bien. Donc ça, c'est vrai que ça m'a un peu changé, moi qui n'ai pas l'habitude d'aller dans des super salles de cinéma. Enfin, j'allais jamais à Bruxelles ni rien par exemple. Je suppose que les salles sont mieux qu'en province, comme on dit. Ça c'était vraiment chouette, je pense qu'on y retournera. Et je disais qu'on habitait à 10 minutes, ça veut dire qu'on est allé au cinéma et qu'on est revenu du cinéma à pied en 10 minutes. Et ça c'était trop bien, parce que dire « Oh tiens chérie, on y revient au ciné, bah oui allons-y ». C'est quelque chose qui nous change vraiment parce que même si la Belgique est petite, là-bas on faisait tout en voiture. Je sais pas, dites-moi vous les amis belges qui ont une voiture, je pense que c'est un peu tout le monde pareil. On a l'habitude de prendre la bagnole pour tout. Et ici on redécouvre vraiment le plaisir, si je peux dire, de marcher. Je sais pas trop comment qualifier ça, mais c'est vrai que ça fait 3 semaines qu'on marche beaucoup. Je suis super contente de refaire des kilomètres, ça fait du bien à la santé, et puis ça permet d'explorer la ville, quoi, parce que du coup on passe devant des trucs, on fait ah, tiens ça a l'air pas mal, on va aller voir sur internet et tout ce que ça vaut, un café, un resto. Et donc voilà les nouvelles du jeudi. Aujourd'hui pour le moment j'ai pas encore fait grand chose si ce n'est un peu de rangement et de ménage, et j'allais oublier d'en parler. Aujourd'hui c'est le Black Friday, il y a plein de soldes. Bon évidemment quand vous verrez cette vidéo ce sera trop tard pour vous partager mes bons plans, même si je ne suis pas du tout la plus à même de vous partager des bons plans, ma pauvre expérience de shopping en ligne. Mais notamment sur Line Crime, ils ont des punaises de soldes. Il y a des rouges à lèvres à 5$ au lieu de 20, donc c'est vraiment, ça vaut la peine à fond la caisse. J'ai vu aussi sur le site de Glam Glow qu'ils offraient un produit gratuit pour un produit acheté, donc ça veut dire que si vous voulez prendre le Super Mud, le truc anti-point noir là, super réputé, sur lequel je bave depuis des mois, ça coûte 70$, donc c'est extrêmement cher, c'est pour ça que j'ai jamais acheté ce truc. Mais ici, on en avait un deuxième gratuit, full size, et donc je l'ai mis dans mon panier en disant bah ça vaut la peine quand même, 2 pour 70€, c'est quand même pas mal. Mais cette année, je suis pas sûre que je vais savoir profiter du Black Friday. Si je finis par acheter quelque chose, bien sûr, je vous montrerai ça, mais je suis pas sûre que je vais spécialement craquer aujourd'hui. Peut-être pour le Cyber Monday. Et puis de toute façon, à partir d'aujourd'hui, c'est en gros l'ouverture des soldes, donc oui, il y a des actions vraiment exceptionnelles ce week-end, mais en gros, tout le mois de décembre, il y a quand même des soldes. J'ai vu aussi que chez The Body Shop, ils faisaient la même action que l'année passée, c'est-à-dire 3 produits 33$, 4 produits 44$, 5 produits 55$, et à partir de 33$ d'achat, si vous rajoutez 35$, vous avez un sac rempli avec des produits d'une valeur de... Je sais pas moi, ça doit bien valoir 150 ou 175$. Et l'année passée, je l'avais fait, donc j'avais acheté pour 33$, plus le sac à 35$, et franchement, ça valait la peine. Ça valait vraiment la peine parce qu'il y avait un sérum jeunesse, je sais pas trop quoi, qui à lui seul valait déjà 40$. Rien qu'un produit équivalait déjà à plus que le prix du sac. J'ai un petit peu de mal à faire mes phrases. J'ai l'impression que j'ai plein de trucs à vous dire aujourd'hui, mais c'est parce que en fait, il se passe plein de petites choses, et à chaque fois je me dis ah, faut pas que t'oublies de le dire dans le vlog. Comme je sais que vous aimez bien voir toutes les nouvelles, vous allez rire, je vous ai parlé de la chasse avant-hier. On n'a toujours pas réglé le problème étant donné que c'est Thanksgiving Holidays, donc avant lundi il n'y aura personne. Et hier on a voulu lancer le lave-vaisselle pour la première fois. Quand on est arrivé dans l'appartement, je l'avais testé, on va dire, je l'avais juste allumé, regardé les fonctions et tout ça, les programmes, et il s'allumait. Et ici, il ne s'allume pas. En fait, c'est comme si on avait débranché la prise. Sauf que c'est un lave-vaisselle encastré dans la cuisine et donc on ne sait pas débrancher la prise. Qu'est-ce qui se passe? On n'en a aucune idée, mais du coup j'ai fait la vaisselle à la main. Youpi! Genre ça faisait, mais depuis tellement longtemps que j'attendais d'avoir un lave-vaisselle, et la première fois qu'on veut le lancer, il nous dit non, non. Donc bon, c'est pas grave, hein, ce n'est jamais qu'une vaisselle. Mais du coup ça veut dire qu'il faut appeler le, je vais pas dire le concierge, mais il faut aller au Welcome Center et aller expliquer notre cas pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne régler les affaires, mais ce sera pas encore pour tout de suite. Il faut encore attendre quelques jours et puis ensuite on va s'occuper de ça. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour le moment. Je ne sais pas si je reviendrai aujourd'hui encore vous raconter quelque chose parce qu'il est déjà 2 heures passées et que le ciel est... Pff, il est bof bof aujourd'hui. Franchement, c'est tout voilé. Du coup, la luminosité n'est pas terrible, hein, comme vous voyez derrière moi.
Puis assez sombre. Bon, d'un côté, on n'a pas encore de lampe ni rien, à part la petite là. Le temps n'est pas terrible, terrible ces jours-ci. Hier, d'ailleurs, dernière petite parenthèse, hier, quand on est sorti de la maison et qu'on a commencé à aller à pied vers le ciné, il s'est mis à pleuvoir, évidemment. Quand on est sorti de l'Apple Store, il drachait. Heureusement, j'avais ma grande écharpe cape, donc j'ai pu nous abriter. Parce qu'évidemment, j'ai une capuche sur mon manteau, mais elle est amovible, je l'avais retirée. Enfin, vous imaginez bien le machin. On a un parapluie, on a tout ce qu'il faut, mais on sort sans rien. Hein. Et donc, oui, le temps pas terrible. Il fait pas encore trop trop froid, je trouve, quand le vent ne donne pas. Parce que quand il y a du vent, c'est caillant. Mais ouais, c'est pas la joie. Franchement, j'espère que le ciel bleu va au moins revenir quelques jours parce que c'est pas gai quand il fait gris comme ça. Dites-moi, vous, quel temps il fait chez vous? Jusqu'à il y a peu, c'était vraiment les extrêmes ici. C'était genre, on était à 20 degrés et en Belgique, il faisait 2 degrés. Donc bon, hein, j'avais envie un peu de me la péter. Mais maintenant, le temps se dégrade et je pense qu'on est plus ou moins en même température que vous. Dites-moi tout. Vous pouvez mettre plusieurs commentaires. Vous pouvez commenter jour par jour, en fait. Et la question du jour, c'est, est-ce que vous avez été voir Fantastic Beasts, est-ce que vous avez aimé? Du coup, c'est les questions du jour. Et quel temps il fait chez vous? Je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à tantôt ou à demain.